السلام عليكم، مرحبا بكم كامل في دون لا كلاس دو مدام سعاد. في الفيديو تاع اليوم راح نشوفوا نص على لو كورونا فيروس، راح نجاوبوا على الاسئله ونديروا اون برودكسيون ايكريت مع بعض. دونك اون كومونس بروميرمون افيك لو تيكست سور لو كورونا فيروس. ربي يحفظنا ويحفظكم منه. الوغ les précautions contre le coronavirus. Le coronavirus est une pandémie mortelle. Les autorités ferment les établissements scolaires. Les familles se mettent dans un confinement. Les médecins annoncent des consignes pour limiter la propagation de la pandémie, notamment la prévention. Premièrement, lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou frottez-vous les mains avec un nettoyant à l'alcool. Deuxièmement, couvrez-vous la bouche et le nez avec un masque médical, une serviette, des manches ou pliez votre coude lorsque vous toussez ou éternuez. Évitez tout contact avec toute personne présentant des symptômes de rhume ou de type grippal sans prévention et consultez un médecin en cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires. Quatrièmement, lorsque vous visitez des marchés ouverts, évitez tout contact direct sans protection pour les animaux vivants. Avec les animaux vivants, et bien sûr que cinquièmement, bien cuisiner surtout la viande. Il faut bien cuisiner la viande. On passe aux questions. Compréhension de l'écrit. Première question, choisis la bonne réponse. Ce texte, vous avez trois propositions. Raconte une histoire, présente des informations, décrit un animal. À votre avis, quelle est la réponse juste? Deuxième question. Qu'est-ce que le coronavirus? Troisième. Relève du texte un mot de la même famille que propager. Quatrièmement. Souligne le complément de but dans la phrase suivante. Les médecins annoncent des consignes pour limiter la propagation. Cinquième, mets le verbe entre parenthèses au futur. Les autorités ferment les établissements scolaires. Tu dois mettre ferme au futur. Il est au présent là. Six, complète au féminin. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un masque médical. Couvrez-vous la bouche et le nez avec une bavette. Si on remplace masque par bavette, qu'est-ce que je dois rajouter à médical? Donc ça, c'est pour les questions de compréhension. On passe à la production écrite maintenant. Ton petit frère a une diarrhée. Donne à ta maman 4 ou 5 conseils pour soigner son bébé. Pour cela, tu dois employer l'impératif présent. Et là, on va le remplacer par le. Tu dois employer la forme impersonnelle il faut ou bien il ne faut pas parce qu'on n'a pas encore étudié l'impératif présent. Et tu dois mettre les tirets au début de chaque conseil. Bien sûr, vous avez la boîte à mots. Eau, les mains, yaourt, l'eau de riz, ça c'est pour les noms. Boire, laver, manger et prendre pour les verbes. Et pour les adverbes, vous avez beaucoup et régulièrement. Donc, on commence la réponse. On commence avec les réponses. Alors, on commence premièrement par la première question qui était les propositions. Ils vous ont donné trois propositions. Que fait ce texte ou bien que présente ce texte? Voilà.
Premièrement, compréhension de l'écrit. Donc le texte. C'est le coronavirus. Dans la compréhension de l'écrit, on commence par la première question. Ce texte présente des informations. Voilà, deuxième question. Le coronavirus, c'est quoi le coronavirus? Donc, le coronavirus est une pandémie mortelle. Est une pandémie mortelle. Le coronavirus est une pandémie mortelle. Troisième question, on vous a demandé un mot de la même famille que propager. Propager. Donc c'est quoi un mot de la même famille? C'est-à-dire un mot qui a les mêmes lettres, le même radical. Propage. Donc on enlève le ER du verbe. On doit relever un mot عنده نفس الحروف تاع propage. راح نلقاو dans le texte, c'est le verbe, c'est le nom propagation. Propage, regardez. Propage, propage, c'est la même propagation plus le suffixe ation. Donc un mot de la même famille, c'est-à-dire un mot qui a les mêmes lettres, عنده نفس الحروف, نفس le radical. Ça c'est le radical. Quatrième question. On vous a demandé de souligner le CC de but dans la phrase. Les médecins annonce des consignes pour limiter la pour limiter la propagation. Donc ça, c'était la phrase. On va souligner le CC de but, c'est pour limiter la propagation. Donc on le repère grâce à la préposition pour. Le CC de but, toujours, il y a hibda avec le pour. Donc ça, c'est le CC de but. Cinquième question. On vous a demandé de qu'on vous a donné le verbe fermer, ferme, au présent. On vous a demandé de le conjuguer au futur. Donc pour conjuguer au futur, on doit mettre premièrement toujours que je passe d'un temps à un autre temps, d'un temps, par exemple du présent au futur, ou là du passé au composé au présent, etc. D'un temps à un autre, je dois mettre mon verbe à l'infinitif. Donc premièrement, je mets mon verbe à l'infinitif, c'est le verbe fermer. C'est un verbe de premier groupe. Ensuite, je le mets au futur, donc avec il, avec s. Donc le futur. كمان نقول ديما سور نرجعوا لا فيديو تاع لو فيتور في لي فيديو تاعي راح نشوفوا بلي لو فيتور
se forme avec l'infinitif plus le plus avoir. Donc avoir ma il avec s, ils ont ont. Donc je rajoute le ont l'infinitif terri et j'obtiens directement le futur. Donc ce sera fermeront. Et bien sûr, vous mettez le verbe dans la phrase. Sixième question. Une bavette médicale. Donc, qu'est-ce que je fais à médical? Je rajoute le E tout simplement. Voilà. On passe maintenant à la production écrite. Donc, deuxièmement, la production écrite. On vous a demandé d'écrire un petit texte pour donner des conseils à maman pour soigner son bébé qui a de la diarrhée, le pauvre. Alors, donc, je vous ai demandé de faire des phrases avec « il faut », « il ne faut pas ». Donc, après « il faut », « il ne faut pas », les verbes restent à l'infinitif. Et deux, pour les conseils, toujours quand on vous demande de donner des conseils, c'est toujours les tirer. On doit premièrement choisir un titre. Donc on peut dire maintenant, par exemple, mon petit frère a une diarrhée. Ou bien on va dire la diarrhée. Ou bien on va dire comment se soigner d'une diarrhée. Comment soigner ton bébé qui a une diarrhée, etc. Donc vous pouvez choisir plusieurs titres. Pour les conseils, donc je dis les conseils que je donne à maman. Pour soigner mon petit frère sans. Donc les conseils que je donne à maman pour soigner mon petit frère sans. Je reviens à la ligne, je mets un tiret, ensuite je mets il faut. Boire beaucoup d'eau. Donc, c'est-à-dire le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il boive beaucoup d'eau. N'oublie pas les points à la fin. Il faut boire beaucoup d'eau. Ensuite, il faut se laver les mains régulièrement. Voilà, il faut toujours se laver les mains, c'est-à-dire la maman, elle doit se laver les mains à chaque fois avant de lui faire à manger ou bien avant de toucher son bébé. Voilà, il ne faut pas manger des yaourts, etc. parce que ça va aggraver la situation. Des yaourts, il ne faut pas manger des yaourts. Et il faut prendre l'eau du riz parce que ça va aider à arrêter un petit peu la diarrhée. Donc il faut prendre l'eau du riz au repas, par exemple.
ça va vite disparaître. Voilà, donc c'était ça, la production écrite et l'étude de texte du coronavirus. Donc maintenant qu'on a fait tout, mais l'étude de texte avait, on a شرح. À la prochaine. أدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.